Les services de la direction du commerce de la Wilaya d'Alger ont mobilisé plus de 4500 commerçants pour assurer les permanences durant les deux jours de l'Aïd al-Adha et la semaine qui suit cette fête religieuse. C'est ce qu'a indiqué le directeur du commerce de la Wilaya d'Alger. Le même responsable a indiqué que ces mesures s'inscrivaient dans le cadre de la nouvelle loi qui exigeait des commerçants la reprise de leur activité durant les week-ends, les congés annuels et les fêtes officielles. Elle prévoit des peines à l'encontre des commerçants défaillants. Il a ajouté que cette mesure ne concernerait pas toutes les activités commerciales et se limitait aux services dont a besoin le citoyen lors des fêtes religieuses, à l'image des magasins d'alimentation générale, les vendeurs de fruits et légumes et les boulangeries. La direction du commerce d'Alger a mobilisé 93 brigades composées de 187 agents des services de la répression des fraudes et des investigations économiques qui veilleront au bon déroulement de l'opération de permanence et du suivi du programme, a fait savoir le même responsable. Il a ajouté que les commerçants concernés ont été destinataires de PV et de réquisitions et ont signé la décision de permanence qui constitue un constat liant avec l'administration et qui les exposera en cas de défaillance de leur part à des peines pouvant aller jusqu'à la fermeture de leur commerce.